gaming mais plus précisément sur du Pilot Training Flight Simulator. On connaît ce jeu, mais il a reçu une update. Non, il y a encore longtemps. Hein. Pour le coup, maintenant, ça fait assez longtemps parce que je suis un petit peu en retard. Disons que j'avais un petit peu oublié à propos de ce jeu pour me tourner sur des jeux un petit peu plus classiques. Donc là, on va faire spawn mon avion. Ah non, je vais pas être avec cette personne. Après, sinon je serais censé être son moniteur. Donc... Ah non, mais c'est pas possible, elle me veut dans son avion ou quoi? Allez, moi je veux. Mais non, mais c'est pas possible! Je commence la vidéo, je gueule déjà quoi! M'énerve les gens là! À me kidnapper! T'arrêtes de me kidnapper, non mais bro! Ça m'énerve là! Franchement, et en plus, il bouge-toi de la piste toi! Il m'insulte. Donc aujourd'hui, on va tenter de conduire à bon à bien les avions. Alors, il a intérêt à pas. Alors, on va faire. Alors, soit un Airbus A350. Pardon. Et on va le prendre un Singapore Airlines. Please clear the path. Je vais le tuer. I will kill you. Voilà, c'est bon. Non, 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 j'étais là avant lui. Non, j'étais là avant lui. J'étais là avant lui. Voilà, prends-toi dans la tête, toi. C'est spawné trop tard. Wow. J'ai oublié comment est-ce qu'ils peuvent être grands, les avions. Wow. Bon, allons-y. British Airways, qui l'a? Alors, maréchal, personnel extincteur, outil, jumelle, tac, pilote... Attention. Out. Solo flight. Ok, donc on va commencer à mettre le throttle. Unsubscribe! Oh, t'es bip, t'es que. Ah bon. Il y a des gens que j'aimerais bien insulter. Hein. Il y a de la chance que je suis pas en vidéo. Sinon, je lui aurais donné un beau petit FUCK dans la tête. Voilà, hein. Voilà, hein. C'est pas comme si je disais jamais de gros mots. Hein. Je lui aurais donné un beau FUCK dans la tête, ok? Il serait pris ça en pleine tête là. Il m'énerve le gars. Non, vous désabonnez pas les amis. Subscribes. Everyone be careful for jet military jets. I mean. Ok, je l'ai dit. Bon, là, je suis content que la tour. Ok. Bon, ok, ça part déjà mal. Ok, bon. Vous savez quoi? Maintenant que je fais mal. Juste aller comme ça, voilà. Parce que là, regardez, là, c'est des petits jets nuls, voilà. On va continuer tout droit. Alors, oh mon dieu, il y a encore un gyro. Là, il y a le Cobra qui arrive. Mais de toute façon, je vais couper Cobra parce que nous, on est un avion civil, donc on a la priorité. Alors, je veux dire que ce mec, il y va. Lui, en gros, il est quasiment... Ok, voilà ce qu'il y a, ça c'est. Alors. Hey Cobra! Hey Cobra! Wait till I take off. Je crois qu'on a une escorte derrière nous, on a Cobra qui est en train de nous escorter, je crois. Bon, allez, on va sauter dans le cockpit et on va commencer un petit peu le réalisme. Pour le produit, là, je crois que je devrais peut-être essayer de... taxi, casse-toi. Je veux plus taxi quand je vois ça au bout de la piste. Voilà, si jamais c'est pas beau, ça. Voilà.
qu'est-ce que je fais en maintenant d'altitude à 300 pieds, moi? Attends, déjà, on va monter un petit peu plus. J'aurais dû prendre un Boeing 777 Dreamliner. Mes amis, donc là, l'avion est totalement verrouillé. Donc on peut aller voir tous nos passagers. Je crois qu'on a des centaines, hein, on est d'accord là. Hein. On a plein des passagers, hein. Non, non. Allez, on va retourner. Ça va. OMG. Oh mon dieu. Ils ont dit qu'il y a. Ok, il y a une guerre. Oh. Quoi? Attends. Il y a. Oh mince. Il y a un avion, je crois qu'il a shooté mon réacteur. Moi, je vais écouter. On va mérir. On va mettre les trains d'atterrissage. Sachant que merci à Labo qui m'a dit qu'il fallait mettre les trains d'atterrissage. Mais je voulais pas mourir parce que je ne savais pas. Merci à toi, Labo. Hein, je sais plus trop. Je peux aller voir ton commentaire. Potentiellement, reste. Attends, je me mets en altitude de croisière. Je vais voir le commentaire que c'était. Merci beaucoup à toi hein, parce que. Il me semble que. Il est où là? Oh, on est en train de monter. Non, j'ai exprès. Bon, ouais, j'adore toutes les vidéos. Merci, franchement. Notre bonjour, te souhaite bonne vidéo. Quel groupe c'est pour le Concorde? Pas très bien, c'est qu'est-ce qui se passe? Oh mince! Ça m'a enlevé l'altitude de. Ok, on est en train de stall, Brace, ok. Je crois qu'on est déjà en position, non? Ok, c'est bon, on est prêt. Oh mince. Oh, ça fait peur dans la cabine. Oh, il y a terre en vue. On va tenter de la rejoindre. Faut tenter de rejoindre le plus possible la terre. Là, là-bas. Oh, mais je suis à 0,4S. Qu'est-ce que je peux faire? J'annonce même plus tout ce que je fais, c'est perdre de l'altitude. On sait qu'on perd de l'altitude et qu'on est en stallage. Ok, ça y est. On est plus en stall. Alors maintenant, on va aller évacuer tranquillement sur les parties les plus intactes possibles. Ok. Alors, y a pas trop le temps de réfléchir là, les amis. On va aller. Il me semble que c'est sur l'arrière qu'il faut aller en cas de crash, n'est-ce pas? C'est tout à fait ce qu'ils vous disent dans la consigne de sécurité. Ils vous disent pas de vous mettre en sécurité avec votre gilet de sauvetage sur les ailes. Non, ils disent jamais ça, n'est-ce pas? Je vois que j'ai écouté. Move your planes. Bah, vous savez quoi? On va se reset. Je déteste ce son, c'est le pire son. Da. Tout. Imaginez le son, c'est en place. C'est vraiment pas magistral. Hein. Ok, on va aller sur le porte-avions cette fois-là. La prise. Alors, donc là, apparemment, c'est la guerre, ok, c'est la guerre, il n'y a pas le temps de réfléchir. Alors, est-ce qu'on va prendre un F-16? C'est un Game Pass, encore moins un F-22. Donc, Red Arrow, Blue Angels. Ah, ok, tu peux quand même l'avoir en A, ok, celui-là, super honnête, mais tu peux quand même l'avoir sans Blue Angels. Merci. Donc, on va prendre le Strike Eagle, ok. Donc, maintenant, on va se mettre tout au bout de la piste. L'intercepteur Yeti 1679 va en patrouille de l'air. C'est-à-dire que ça existe vraiment. Il faut que je patrouille dans les airs pour vérifier si c'est donc un ennemi. Laissez-moi comprendre, les amis, parce que c'est sûrement expliqué.
Sur Grindford. Go, 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 lancez l'assaut. Oh, oh, oh. ABC, ABC, ABC. I'm press. C'est quoi qu'il arrive. Ok, ok, c'était une très mauvaise idée. Ok. I'm president. Ok, du coup, je m'ai changé pour président. Et je trouve rien de mieux que juste me changer alors que c'est clairement l'apocalypse parce que je suis en train de tomber de 3000 mètres. Et je suis quand même vachement fou. Hein. On va mettre ça. Allons-y, 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 allons-y. Ok, c'est bon. Oh, ok, donc là... Attends, je vais aller leur dire que c'est mal président. Hello. I'm president. Je suis le président des United States of America. Je suis le président des United States of America. Salute me. Salute me. Salute me. Je suis le président des United States of America. Je vais y aller en passager. I have an idea. Tu as une idée. Ok. Donc là, on va pouvoir... Ah, mince. On va tenter de monter dans l'avion. Hi, pilot. With me to safety in... Give me to safety... With me to say... Okay, bonjour, je suis le président des United States of America. J'ai mal aux mains aussi. Le plane didn't load for me. Ah mince, 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 mince. C'est quoi? Là tu prends le parachute. Ok. On a... My personal... Would I be my personal guard? Est-ce que tu veux être ma garde personnelle? Ok, so pilot. Ok, c'est bon, donc là je suis le président des United States of America. Yeah,
C'est bien moi. Si, passager. Si, passager. Ok. Il a démarré l'avion, mais c'est pas ma place en fait. Si, je sais pas si vous allez comprendre que là je suis pas très content. C'est pas trop ma place en fait. Bon, ok, bon, on va se mettre là. Wait, Air Force One, it's President Tolkien. Ah, ça m'énerve, ça va pas arrêter dans le si, ok. Ok, donc là, les amis, je suis le président des États-Unis d'Amérique. Et là, on va pouvoir se laisser escorter par le Marshall Power Guy. Du coup, le pilote, ça a l'air d'être Giro. Je lui fais pas très confiance, elle a pas l'air très sympathique. Ok, on a l'air d'avancer tranquillement. Et là, il y a protocole. Ça me donne envie de le manger. Je ne sais pas ce que ça veut dire. 18 minutes. Bon, je suis désolée les amis, vous ne pourrez pas voir le vol présidentiel. Ce que je voulais voir, c'était un gaming. Pour que vous ayez l'idée, c'est quand même, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes et à vous abonner. Ce que je voulais voir, c'était un gaming. A toutes.